Hey, bonjour les amis, ici Vélo Jumper. Comment ça vous avez pas remarqué? Oui, je sais, j'ai une tête plutôt étrange. J'espère, les amis, que vous allez bien. Écouter. Moi, ça me tue quelqu'un d'utile, car les amis, comme vous le voyez, dès qu'on voit derrière moi ces magnifiques murailles, ces montagnes, vous le savez, on se retrouve pour du arc. Mode! Et merci grandement les amis, comme d'habitude, pour le tonnerre de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements et d'astuces et de défis. Alors ça, les défis les amis, il y en a vraiment. Merci beaucoup les amis pour tous vos défis. Alors, les amis, ça va vous faire un choc. Parce que la fois dernière, quand on s'était retrouvé ici, on avait, bon, testé les machines qui sont déjà derrière nous, hein. Et nous avions aussi testé ce magnifique Alpha Quetzal qui est de toute beauté, franchement, il est gigantesque. Et, les amis, j'ai fait du hors caméra. Attention! Tada! Voilà! Donc les amis, j'en ai fini avec les murailles! Enfin, une des étapes parmi tant d'autres, hein, bien sûr. Parce que bon, des murailles, peut-être que... Enfin, j'ai jamais rien fini, moi, parce que si ça se trouve, ça va pas me satisfaire. Et comme vous le voyez, j'ai terminé, enfin. Donc là, ça y est, on ne voit plus la lumière. Enfin, si, on la voit, mais on ne voit plus l'eau, on ne voit plus rien, on ne voit plus les montagnes. Tout est caché, c'est vraiment incroyable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis... fan. Je suis vraiment très 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 fan. Donc les amis, ça y est, j'ai terminé enfin les murailles. Ça a été de longues heures de farming, de pierres, de métal, etc. Pendant tout ce temps, tout ce long moment entre vous et moi depuis ce début de cette série. Et les amis, nous y sommes enfin parvenus à avoir enfin les murailles. Alors prochaine étape, vous l'avez peut-être deviné, c'est bien évidemment le château. Alors il va falloir aussi que, bon, je trouve avant de faire le château, que je trouve un moyen de faire un accès. Parce que regardez, j'ai fait un petit accès assez sympa, vous me direz ce que vous en pensez. Regardez, je prends bien le temps, tu vois, parce que voilà, il faut que vous admirez tout ça, hein. Parce qu'après, quand je vais me mettre à courir comme ça, vous n'aurez pas le temps d'admirer les choses, tu vois. Donc il va falloir que je... Déjà d'une, avant de faire le château, oui, ça m'a fait un choc, oui, hein. Vous aussi, là, ça a dû vous faire un choc. Alors, je trouve un moyen de faire un magnifique pont qui soit bien maintenu, etc., etc. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, on ne peut pas faire des plateformes en l'air sans, comment dire, sans piliers. Donc, je ne sais pas si ça marchera avec les mods, parce que vu que là, c'est des structures avec des mods, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des piliers ou pas? En tout cas, j'aimerais que non, parce que ça va faire très haut, quand même, très très haut, et j'aimerais trouver un accès pour justement accéder au village et aussi également aux endroits où je pourrais un peu... avoir un peu des endroits où il y aura des dinos et autres, parce que vous devinez très bien que je ne pourrais pas stocker tous mes dinos ici. Du moins, ça va être quand même assez compliqué, sachant que les alphas sont très gros. Alors les amis, tout à l'heure j'ai parlé de défis. Alors oui, j'ai reçu, je crois que c'est à 80%, bon, peut-être pas à ce point là-bas, au moins la moitié, hein, on est repassé à 50%, t'as vu, ça va vite, hein. Au moins la moitié des défis qui ont été proposés justement sur ArcMod, c'est toujours en rapport, les amis, avec ceci. Le fusil en diamant. Vous l'aimez bien, moi aussi je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est quand même plutôt efficace. D'ailleurs, vous étiez le droit de me dire que c'est grâce au fusil déjà d'une qui fait en sorte d'endormir très vite en one shot, tu vois ce que je veux dire, n'importe quel dino, mais qui permet aussi également de baisser la faim des dinos. Et c'est pour ça que la fois dernière avec l'Alpha Quetzal, j'avais halluciné de voir à quel point il avait faim et que le timing s'est passé super vite. C'était un truc de malade. Bon, après c'était l'équipe, mais c'est vrai que ça a quand même été très très vite. Donc voilà. Donc apparemment, vous me disiez que c'est le Diamond Rift qui fait en sorte justement aussi de baisser la faim au maximum. Voilà. Bon, je l'avais pas trop remarqué en tout cas sur Gigano, mais sur l'Alpha Quetzal, on l'a bien vu la fois dernière, effectivement. Donc, alors, les amis, pour votre bon plaisir, alors, il y a beaucoup de choses qui sont demandées par rapport au fusil en diamant, mais je ne peux pas tout faire en un épisode, parce que, bah, ça serait dommage de tuer, je ne sais pas, le magnifique dragon de ArcMod qu'on a pu croiser, de tuer également le chef des PNJ, il y en a plusieurs de chefs de PNJ, sachant que on va le faire, mais on va pas tout faire dans un épisode, hein, c'est bien, tu vois, le plaisir, comme ça, t'aimes bien quand ça dure un moment, tu vois ce que je veux dire, tu vois, donc on va le faire sur plusieurs épisodes, mais aujourd'hui, on va l'utiliser. J'ai une petite idée, et ça m'arrangera, et vous aussi, hein, ça va vous faire plaisir. Vous savez que depuis un long moment, on croise beaucoup de dinos, très spécifiques, voire dire des créatures qui traînent pas loin de chez moi. Vous devez sûrement déjà voir de quoi je parle, hein, ou alors pas du tout, vous êtes à côté. Non, je parle pas des arbres, hein. Non, c'est pas parce que je grimpe là-haut que j'avais parlé de l'arbre. Mais de ceci, des squelettes, on en a partout, et il y en a marre, et on veut voir ce qu'il y a. Vous vous souvenez qu'il y a un moment de ça, depuis le début, enfin, tout début de la série, on avait croisé un bronto squelettique. Et ben j'aimerais lui faire la peau à ce bronto. Oui, je sais, il n'a rien demandé à personne. Mais si jamais ce fusil en diamant peut nous permettre d'endormir la bête, alors, je dis bien alors, avec le Gigano, il y a peut-être moyen effectivement d'avoir quelque chose de très intéressant. Parce que si on prend Firefly et que le Gigano nous suit, il pourrait effectivement attaquer tout ce que je lui demande. Voilà, donc ça pourrait être très sympa, je pense, de faire ça. En même temps, ça nous fera farmer et surtout, on va s'éclater. Alors bien sûr, il va falloir aussi que... Parce que là, j'ai farmé beaucoup des derniers temps pour les murs et tout, mais il va falloir que je m'amuse à refarmer tout ce qu'il faut pour les balles en diams, qui sont assez chiantes, je vais pas vous mentir, à crafter. Donc, eh ben les amis,
On y va. Donc, alors, je disais donc, on va prendre Firefly. Parce que, malheureusement, je ne peux toujours pas, vous doutez bien, je ne peux toujours pas, malheureusement, monter sur le Quetzal. Parce que je crois que je n'ai pas encore le niveau requis. Voilà, ah, c'était pas 72. Il me semble que c'est 73. Donc, attendez, je vais vérifier. Comme ça, je me ferai pas engueuler. Attends, Quetzal, c'était... voilà, 76. Voilà, on est vraiment très, très loin. Voilà, le Quetzal, malheureusement, je suis vraiment là dans un niveau qui est très dur à grimper. Donc, ça va venir. Écoutez, pour le moment, on... Bon, en même temps, on l'a eu assez tôt, hein, quand même, par rapport à ma série normale. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je voulais tuer ce Triceratops squelettique. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, écoutez, moi, je veux absolument le tuer cette pauvre bête. Je sais, elle a rien demandé à personne, mais voilà. Écoutez, elle est dans le coin, il faut la tuer. Donc, on va mettre, alors, 7 là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que je vais mettre tout dans les dégâts. Parce qu'ils régènent assez bien, ils ont des points de vie assez ouf. Je pense que Gigano mérite plus d'avoir des points de dégâts supplémentaires plutôt que des points de vie. Ça, c'est mon avis. Donc, alors, j'espère que ça va marcher. J'espère vraiment que la balle va marcher. Parce que, comme vous savez, je me spoil pas. Donc, je n'ai pas essayé cette balle-là. J'espère vraiment que ça va marcher. Donc, alors, attendez, on va déjà, il faudrait l'endormir. Parce que, est-ce que cette bête peut dormir? Parce que, logiquement, tu ne peux pas la tame, cette bête. Après... Tu peux l'endormir, tu ne peux pas forcément la tame. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va endormir. Alors, surtout, on se calme. Ok, donc, il n'a pas l'air de sentir grand-chose. Alors, je crois qu'à mon avis, on ne peut pas... Oh non, ça marche pas. On ne peut pas dormir. Oh ben, c'est pas grave. J'ai autre chose en tête. Alors, attendez. On va essayer, alors on va voir déjà, est-ce que le Gigano peut se faire largement le Triceratops ou pas? Ah attendez, alors là les amis, du coup on va être obligé quand même d'aller trouver une autre bête. Ah ouais, je dis ça mais je dis rien, donc du coup j'aurais pas dû retirer une deuxième balle, je suis trop bête parce qu'il me reste plus qu'une. Est-ce qu'on peut demander, alors attaque ma cible. Allez vas-y, est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'il va y arriver? Ok, oh c'est bon, y'a moyen. Oh, Gigano est quand même assez fort pour se le faire tout seul. Ah oh, ouais, nice. Bon, en même temps c'est un Triceratops hein, mais bon c'est quand même le Skeletor Triceratops. Oh génial, bon ça va, il gère quand même. Mais ça veut dire qu'on peut pas endormir les... Oh, ça, il fallait tester. Fallait qu'on le sache les amis, ça veut dire que il y a certains boss, on pourra peut-être pas les endormir. Ben ouais, parce que donc ça veut dire que si ça se trouve on pourra pas endormir le... On pourra pas faire endormir les boss du jeu de Ark. Par contre l'alpha, c'est moi le Gigano prend extrêmement cher. Ok c'est bon, il est bloqué, là il est bloqué. Ah ouais il fait, ouais plus ou moins ouais. Ok, alors il va y arriver je pense, mais il a pris quand même des dégâts hein. Allez, tue-le. Faut le faire. Vas-y. Alors, le problème c'est qu'il tourne autour. Allez, allez comme ça, voilà, nickel. Allez, les dégâts. Meurs pas, Gigano. Mets-toi en rage. Tu seras plus fort et plus puissant. Alors j'essaye de pas bouger parce que là on a un bon truc là. Donc si je bouge, au cas où le Gigano me suivrait, ça serait problématique. Non, c'est bon. Oh, on va tuer un Skeletal pour la première fois dans Ark Mode. Bon, on va y arriver, j'espère qu'il va pas mourir avant Gigano parce que là il saigne. Là je croise les doigts les amis, c'est mort, faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Allez, faut le faire, tu l'auras avant. Non mais dites-vous que c'est qu'un Triceratops hein. Imagine le Bronto. Imagine le Bronto un peu quand même. Oh là là, ça va être chaud hein. Ah ça va être dur. Bon ça va aller. Là il doit être moitié voire trois quarts de ses points de vie en moins. Ça va aller, il va s'en sortir. Allez, tu peux le faire. S'il te plaît, ne meurs pas. Fais-le pour moi! Oh là là, ça va être compliqué ça. Non, c'est bon, il va y arriver. Il peut le faire. Il va l'avoir! Allez! Yes! Wouh! Il l'a eu, GG! Ah, oh, c'est beau! Cette bête! Oh, mon pauvre pépère, ça va aller? Oh, tu t'es tellement battu! Vaillamment! Allez, ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. T'as pris vraiment cher. Alors, qu'est-ce que t'as obtenu? Ouh! Qu'est-ce que t'as obtenu, ça? Ouais? T'as obtenu ça? Quoi? T'as obtenu que ça? Oh! Ouh! Oh, ce poids. Ah ouais, c'est un skin squelettique pour le Triceratops! Oh! Un rubis? Alors déjà, je t'ai augmenté tes dégâts. Bon, la bouffe, tu la gardes sur toi, t'inquiète, je te la vole pas. Oh, mais c'est fait cher payer quand même pour un squelette quand même! Non mais c'est vraiment cher payer. Hein. Vas-y, suis-moi! Ça va aller. Oh là là! Eh mon pépère, tu m'as fait peur, hein! J'ai cru que t'allais y passer, je te jure. Donc, alors, est-ce qu'on peut lui donner au Triceratops, du coup, ce magnifique cadeau? Eh, non, mais c'est un délire, là, si tu te rends compte, quand même. Faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Oh, énorme! Reinhardt, tu es tellement beau!
Oh là là, mais il est... Mais il est, en plus, il est vraiment plus grand que nature, donc... Oh là là, il est trop cool. Ça, c'est de l'alpha. Ah, franchement, il envoie du très loin. Tu me suis encore? Ouais, attends, attends, tu me suis plus. Ah, voilà, tu restes comme ça. Alors oui, tiens, un truc que j'ai à vous dire. Oui, je sais, je le redis. J'appelle souvent Megafly Firefly. Bon, effectivement, ça ne se fait pas de se tromper de prénom, surtout après autant d'épisodes. Mais c'est un sale réflexe que j'ai entre la série normale et la série arc mode. Donc forcément, ne vous étonnez pas. What? Attends, il a régène? Bah, bip. Comment t'as fait pour régène aussi vite? Mais comment il a fait? Ah là, je veux savoir, là. Tu peux te prendre, toi? Ah, c'est bon, je peux le poser ailleurs. What? Non, mais je suis choqué, là. Non, bouge pas. Ça a rien de... T'inquiète, t'embrouille pas. Non, mais là, je suis choqué comment il a régène, là. C'est un truc de malade. Bon, alors, ça serait bien, du coup, d'essayer ça. Et pas sur une autre bête. Sur une autre bête, en fait. Bon, sur Gigano, vous avez bien compris que ce n'est point nécessaire. Mais est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que ça pourrait marcher sur ça, voilà. L'Alpha Utahraptor. Alors celui-là, alors je pense pas que ça va marcher. Hein. Franchement, faudrait essayer. Hein, parce que là, le truc, c'est que si jamais... Bon, au pire, si ça foire, je ferai une ellipse. Hein, pour aller fermer tout de suite les balles, quoi. Mais j'aimerais bien que ça marche. J'aimerais bien que ça marche. Donc, surtout que si celui-là, tu t'en approches, t'es mort direct. À mon avis, ça va pas marcher, parce que j'ai l'impression que c'est le même délire que les... Où est-ce que je veux dire? Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air d'être le même délire que les squelettes. Vous savez, ils ont la grosse barre de vie, ils ont la flèche jaune, enfin, c'est bizarre. Donc, alors, on va tenter un truc. Ça va être plus ou moins par rapport à ce que vous m'avez demandé. Alors, si jamais, donc on va retourner là-bas, parce que vous savez que là-bas... Peut-être que vous le savez ou pas, il y a effectivement... Ah bah regardez, il y en a un là. Il y a un alpha chasseur. Oh, vous savez quoi? Non, on va tester sur le Utahraptor et après on viendra ici. Là, il y a un alpha chasseur. Attention, ce n'est pas un chef des chefs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un alpha. Hein, c'est pas le patron, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à celui qu'on avait vu qui avait les deux tronçonneuses et tout, tu vois. C'était vraiment le chef à qui tu... Le PNJ avec qui tu déconnes pas. On va essayer sur les deux. J'irai recrafter, vous inquiétez pas, des balles et tout. Enfin voilà, je vais le faire à la loyale. Là-dessus, il n'y aura aucun souci à se faire. Alors, je vais me poser en hauteur. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air très agressif. Il est ouf quand même. Attendez, on va essayer de se mettre là. Est-ce que je peux prendre la lunette? La longue vue? Non, pas une flèche, non. Je risque pas de bien voir avec une flèche, tu vois. Attends, on va se mettre comme ça. D'ailleurs, j'ai plus de gants. Je viens de voir ça. Oh, il est tellement beau. What? Oh là là! Ah, ça, c'est un dino à tame, ça. Hein, il bouge trop, mais regardez ça, les cicatrices et tout. Wouah! Oh là 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 là! Il est tellement beau! Oh, ça serait trop bien de le tenter, celui-là. Ah ouais, on le tente, hein. Ouais, allez, on le tente. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, est-ce que je peux me mettre au sol sans qu'il vienne m'embrouiller? Ah, j'en doute, hein, quand même. Mais c'est marrant qu'il vienne pas... Ah, si, ça y est. Ok. Allez, viens, il veut bien venir me tuer. D'accord, mais par contre, il veut pas s'attaquer au 1 kilo. C'est assez étonnant, ça. C'est pour ça que je n'ai pas de cité. Enfin, je trouvais ça un peu étrange. Alors, il y a un raptor. Le raptor, il est tellement petit à côté. Regardez-le, vous voyez. Il faudrait que je me mette là. Alors, ce que tu vas faire, toi, si tu restes là, Megafly. Je me trompe pas, t'as vu? Je t'ai appelé Megafly. Bon, si je te rappelle Firefly, j'ai plus rien. Vous avez Fly qui est signé tous les deux. dans le fond du truc, tu vois. Ok, donc là, il est là. Waouh, il va tellement vite. Oh my god. Comment tu veux que je le vise? Ok, là, il est bien là. Attends, encore un peu. Ok, je l'ai touché. Ok, il sent. Il sent rien, ok. Alors, il sent rien. Très bien, donc c'est exactement pareil que le... Tu parles. Regarde ça. Je lui ai envoyé deux flèches à l'arbalète, il a rien senti. Alors voilà, donc j'en étais sûr. Bon, alors c'est pas grave, parce que du coup ce que je vais faire... Faut sûrement pas qu'il vienne là. S'il vient là, il me défonce. Hein. Oh, là, il peut appeler des raptors. Concentration. Furious, c'est pas le moment de déconner. Je l'ai aux fesses. Non, c'est bon. Megafly, au secours. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, 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 je voulais te sauver, apparemment, il y avait le Ozar, il t'attendait, tu vois. Bon, alors, waouh, les amis, non, mais j'ai eu trop chaud, hein. Ah, c'est un délire. C'est un délire, ce dino, mais c'est un truc de ouf. Attends, on peut regarder quand même. Est-ce qu'on peut regarder encore un peu? Attendez, on va reprendre le... Oh là là, il est tellement beau. Oh, mais il va tellement vite, c'est un délire, j'arrive même pas à savoir où est-ce qu'il est. Ok, il est là.
Bon, je pense que vous l'avez vu, bon, il est magnifique, franchement. Ah, c'est dommage. Ça veut dire que non seulement on peut pas l'endormir pour le tuer, mais on peut pas l'endormir pour le tame. Ah, c'est la mauvaise nouvelle. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même eu un Skeletal Triceratops. Et là, on va essayer pour de vrai sur le chef là-bas qu'on avait vu. Je vous retrouve tout de suite, les amis. Ok, les amis. Alors, c'est bon, j'ai farmé assez de Narcoberries pour faire une seule balle en diamant, bien sûr. Mais non, parce que bon, les balles, nous on connaît, mais nous on veut une balle en diamant. Donc, alors, les amis, on va mettre tout ce qu'il y a dedans pour faire. Ah oui, non, est-ce que ça en fait une seule? Il me semble que oui, hein. J'espère que ça va pas bugger. Non, c'est bon, ça bug pas. Ok, parfait. Donc, ça nous en a fait deux. Ah, mais c'est que c'est une bonne nouvelle. J'avais oublié que c'était par deux, c'est vrai. Donc, alors, oui, en fait, j'avais dit que j'avais perdu mes gants et tout, mais non, en fait, c'est non, si je suis bête, c'est juste que regardez, c'est voilà, c'est comme ça que ça se porte, voilà, c'est que ça passe au-dessus du truc. Donc, alors, bon, on va retourner voir ce petit chasseur. Ouh, il y a un alpha pternon, tiens. Donc, il y en a partout en ce moment, c'est un truc de malade, hein. Lui aussi, ça doit en être un. Il est tellement beau, lui. Oh, ouais, c'en est un aussi, ouais. C'est un délire, eux, quand ils te voient, ils sont en direct, tu vois. Donc, on va augmenter la vitesse. Hop, voilà, comme ceci. C'est cool quand même, parce que regardez, on a un rubis, ça va nous servir pour faire des gros trucs. Des crafts de malade avec, justement, le truc qu'on a vu. Alors, c'est un alpha, il est juste en face de nous. Alors, je ne pense pas qu'on puisse le prendre. Donc, on va essayer un truc. Alors, sachant qu'il est hyper dangereux, le must, ça serait de pouvoir l'endormir. Ah, attends. Oh, il est touché. Ah ah! Tu fais moi le malin, là. Il est où? Il est là. Ha ha! Oh, on peut le tame. Ça marche avec de la viande? Placer de la nourriture pour l'apprivoiser. Ah, tu parles. Pas sûr. À mon avis, ça doit fonctionner... ça doit fonctionner genre avec de la prime, tu vois ce que je veux dire, tu vois? Ah, ça marche même pas, quoi. C'est un truc de malade. T'as vu, hé? T'as vu comment je l'ai mis KO? Ha! Il fait moins le malin là d'un coup, hein. C'est un truc de... Ouh, il est tellement stylé. Bah, je pense qu'on va le tuer, hein, mais on a trouvé une bonne combine. C'est quoi il tient, là? C'est quoi qu'est-ce qu'il mange, là? Ok, bon, alors, attends, tant pis. Bon, c'est pas grave, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer. C'est pas grave, on sait qu'on peut en tame comme ça. Allez, tiens. T'aurais dû prendre ça depuis tellement longtemps, mon gars. Oh, mais il est tellement résistant! Je vais avoir pété mon épée avant de l'avoir tué, hein. Je tiens à le dire, non mais c'est un délire là-haut. Allez, plus de puissance, là vite. Regarde ça, j'aurais jamais pu le tuer, hein. Il m'aurait défoncé avant, hein. Oh, la bonne idée qu'on a eue, les amis, c'est un délire. Tu fais moi le malin maintenant, hein. Allez, on va lui donner le coup de grâce. Attention. Alors, Alpha Dilophosaur a été vaincu, ou ça? Non, c'est à moi. C'est ma nourriture. Non, c'est à moi. Sale bête! Il est où? Oh non! Oh non, non! Oh non, non! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a volé? Il m'a volé quoi? Non, tu m'as pas volé! Ah non, tu m'as pas volé! Ce qui était à moi! Tu m'as pas volé! Non, je pense pas, attendez. Oh non! Oh non, 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 non! Aïe, c'est la sacoche de quoi ça? Alors attends. Oh non, ça, c'est un caillou! Est-ce que quand je l'ai tué, j'ai obtenu tous les trucs? Oh non! Alors là, je te jure que si jamais il m'a volé mes trucs. Attends, on va se mettre comme ça. Alors là, il y a une sacoche, on était loin, mais c'est pas de là qu'on l'a eu. Mais normalement, ils peuvent pas voler, hein. Ils peuvent pas looter les trucs. Croyez qu'ils nous donnent rien? Bah attends, c'est bizarre ça. Ou alors son cadavre, il est parti ailleurs, je ne sais pas. Ah, attends. Bah, on va regarder la sacoche, hein. On va la vider, on va l'enlever la sacoche. Ah, si, il était là. Ils me l'ont volé. Ok, alors fais voir un petit peu. Donc, ça, tu le pousses. C'est quoi, c'est un arc normal? Mais non! Enlève-moi ça, voilà! C'est pas grave, moi je sais où il y en a un deuxième, hein. Donc au pire. Mais par contre, le deuxième, il est vachement plus équipé que ça. Je veux dire, il a un ours, enfin, il est bien sur les. Oh mais non! Mais non! Mais ça se trouve, il a rien loot! Bah, je pense pas quand même, attends! Ou alors, il a pas rien loot parce que. Parce que, comment dire, est-ce qu'il aurait rien loot? Non! Décomposition, ouais, non? Bon, alors là, je vais pas vous mentir, je suis assez deg. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, je crois. Non mais non. Bon, bah c'est pas grave, il y en a un deuxième là-bas. Allez, vas-y, on y va. On va le chercher. On va le chercher, où est-ce qu'il est déjà? Il est au bord de l'eau. Il est dans une espèce de petite structure.
Non, mais vas-y, mais mange-toi pas le mur, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Alors, où est-ce qu'on pourrait le trouver, celui-là? Ah, non, là, on en est loin. On en est loin. Oh, mais je suis deg! Mais c'est pas vrai, bien sûr! Non, mais c'est à ce moment-là. Il vient toujours au moment où, bien entendu. Ouf. Il y a encore un alpha pas loin. Il vient toujours au moment où, comme par hasard, il est mort, quoi. Non, il serait pas venu avant m'aider, l'Argentavis. Ah, non, mais non. Bon, alors, je sais qu'il y a une structure, voilà, qui est juste là. Et il est dedans. Il était dedans. Est-ce qu'il y est encore? Il a plus rien d'y être, ça, tu déconnes. Oh, c'est bizarre, normalement il est toujours dedans lui. Hein. À moins qu'il ait disparu. Oh, je serais deg. Bah, il y avait quand même un alpha là, donc Alpha Dilo a été vaincu. Ouais, ouais, bien sûr. Il est là. Ok, ok, il est là. Ok, ok. Bon, alors par contre, va pas falloir faire trop le malin, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, le souci qu'il y a, c'est que. Tu restes passif. Ah, t'es passif? T'es passif, ok. Alors, il est en bas. Alors, il faudrait qu'il vienne. Oh, il me balance des flèches. Allez, mange-toi ça. Hop! Allez! Celui-là, on me volera pas, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Et là, il peut appeler ses potes, y'a aucun souci, y'en a. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, 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 il dort, hein! Il est à moi! Ok, il a rien sur lui? Non, allez, on le tue. Allez! Hop! Allez! Les pauvres, ils peuvent rien faire. Bon, alors par contre, là, si ça me donne rien, je pète un câble, hein! Là, je m'en fous. Oh, regardez, il avait les yeux rouges et tout! Ouh! Sacré spécimen, dis donc. Ah, là, ouais! Oh. Ah non, mais en fait, on n'obtient rien! C'est pas vrai. Genre, on n'obtient rien. Attends, donc les alphas, ils nous donnent rien? Non! Oh, j'y crois pas une seule seconde! Alors là, j'y crois pas une seule seconde! Alors, les petits! Non, mais aujourd'hui, c'est le loot, malheureux, quoi. Putain, c'est un truc de fou, là! Oh, l'alpha Argentavis. Oh, mais non, mais je suis deg! Oh, je suis deg! Bon, bah, on saura moins que les alphas. Comment dire, les... En plus, j'ai ramassé sa crotte, quoi. Limite, il se moque de moi, quoi. Voilà, nickel. Par contre, ça m'a fait XP? Ou c'est lui, ça? Attends, c'est moi, ça? Attends, non. Ah, par contre! Ah, ouais! Eh, mais attends, j'ai gagné 2 levels, là! Ah, ça, c'est pas mal du tout, hein! Va augmenter un peu les dégâts de mêlée. Ah, mais ça! Ah mais ça c'est nickel! Ça veut dire qu'on va pouvoir monter sur le Quetzal! Hey! Ah non, ça c'est la bonne nouvelle. Ah ouais, on en est pas loin. Oh, ouais, il faudrait que je farme les alphas en fait. Oh, le truc de ouf! Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Autant par contre, ils nous donnent aucun loot, mais ouais, de toute façon, vous êtes témoins, il n'y a aucun loot, hein, aucune sacoche. C'est assez étrange. D'ailleurs, tiens, en parlant de loot, vous vous souvenez que la fois dernière, on avait vu des gens nus, hein, qui est des hommes nus, hein, vous vous souvenez, qui tiraient une espèce de charrette. Bah, apparemment, c'est des esclaves. C'est des esclaves de certains PNJ, voilà. Donc, ils sont gentils et voilà, bah, ils ont été pris en. Entre guillemets, voilà, en. Ils ont été piégés quoi, en gros voilà, hein, simplement c'est devenu des esclaves de d'autres PNJ, voilà, je savais pas, donc bah au final je les ai pas tués, mais bon, je suis arrivé, ils étaient déjà morts, donc voilà, donc si jamais je les vois, je ne leur ferai pas de mal, voilà, vous avez ma parole, voilà, vous avez ma parole, donc, eh ben écoutez, eh ben les amis, on va déjà s'arrêter là, pour aujourd'hui, alors quand même, bon, ça aurait été un peu la déception, mais il fallait qu'on teste, fallait que je teste tout ça avec vous, savoir si, oui ou non, on pouvait tout simplement, bah, comment dire, déjà, endormir, des alpha chasseurs, ça fonctionne, donc ça veut dire qu'effectivement, le chef des chefs, parce que là, c'est vraiment le patron qu'on avait vu là-bas, là vous avez vu pour l'instant c'était que des alpha chasseurs, mais vraiment le gros patron là, le roi des PNJ, il y a moyen je pense de l'endormir. En revanche vous avez vu que ça ne fonctionne pas pour les squelettiques, alors ça va être vraiment très embêtant, ça veut dire qu'ils ont pas de torpeur et du coup au final on peut pas les tame, donc au moins ça règle le problème, mais c'est vrai que voilà, bon, c'est pas complètement abusé parce que bon, pour le coup, il va vraiment falloir avoir une arme gigano si on veut pouvoir s'en occuper. Et je pense, pour pas vous mentir, que le seul moyen de les tuer, ça sera avec l'Indominus. Clairement, hein, c'est clair et net. Bah écoutez, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai enlevé le truc sur les gants parce que du coup, il me faisait un masque vraiment bizarre, hein, parce que je supporte pas ça. J'espère quand même que cet épisode, les amis, vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder la barre de likes, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous avez des défis, j'ai bugué, tu vois, ma langue elle est penchée. Si vous avez des défis, les amis, n'hésitez pas. Je le rappelle, la section commentaires est là pour ça. Et si vous avez des astuces, eh ben, n'hésitez pas non plus, les amis. Avec grand plaisir, j'ai envie de dire. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu. Également, vous abonner à la chaîne pour vraiment cette track aujourd'hui complètement incroyable. On a eu quand même un squelette avec quand même des bons loot. On a maintenant un alpha triceratops squelettique. Et ça, c'est juste trop de la balle. En tout cas, merci les amis, c'est Faux Jumper. Je vous dis à très bientôt.
Ciao les amis.